Salut à tous! Mais que fais-je? Pourquoi suis-je sur ce jeu? Je suis sur ce jeu parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de série de simulation. Oh, ah, simulation, c'est... Bon, on va dire simulation. sur la chaîne. Et mon Euro Truck Simulator, c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Donc bon, je vais pas reprendre, je pense. Je pense pas que je vais reprendre. En revanche, ça me tente bien de commencer une nouvelle série de simulation. Et je me disais que Farming Simulator c'était pas mal. Pourquoi? Parce que finalement, bah, il est pas si mal que ça ce jeu. Il est pas si mal que ça. Et c'est cool, c'est détendu. Donc c'est le petit let's play détente qui va avoir lieu. Je vais faire une carrière et puis on verra jusqu'à où ça va. Je pense que quand bah, il y aura plus trop de jus, bah, j'arrêterai. On verra un petit peu le critère que je me fixe. Mais donc je commence une nouvelle partie. On va se mettre en normal et à Bjornholm, qui est très bien comme ville pour démarrer. Et on va faire ça, et écoutez, on verra bien. Si vous arrivez sur la chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner. Et sinon, bah écoutez, on est parti. Et on va faire notre ferme, on va élever nos vaches, on va faire plein de choses super rigolates en lien avec l'agriculture. Et c'est vrai que finalement, c'est un jeu qui est assez riche, et parmi toutes les immenses bouses de simulateurs qu'il y a eu, celui-là s'en sort quand même vachement bien. Et c'est quand même un des jeux les plus vendus au monde, hein, on le rappelle. Donc, je tiens à faire cette série, ça me tente bien. Voilà, donc je vais commencer cette série tranquillou. Et ça va le faire, moi je vous le dis, ça va le faire. Alors c'est en cours de chargement, c'est un petit peu long. C'est un petit peu long quand même. J'aimerais bien que ce soit plus rapide. Alors c'est probablement parce que je suis en train de compresser une vidéo et en train de tourner du coup. Donc ça allonge le chargement probablement. Le chargement de l'infini. En fait ça se trouve ça a bugué là. Est-ce que ça a bugué? Est-ce que ça n'a pas bugué? Parmi les multiples activités qu'offre le métier d'agriculteur, vous êtes libre de faire celle qui vous intéresse le plus. De l'exploitation de la terre à l'élevage. En passant par la sylviculture, les possibilités sont nombreuses. Bon, je pense que c'est bugué en fait. Bon, alors là, c'était le troll ultime du jeu. Franchement, je pense que le jeu est en train de me troller. Je pense qu'il me troll, hein. J'ai le chargement de l'infini là. Hein. Ah, attendez, je reviens. Ok, donc en fait c'est juste que j'ai eu un bug complet et total de Fraps, hein. Il m'a trollé Fraps. Non, c'était pas Fraps, enfin, c'était Fraps qui a fait bugger le jeu et qui a complètement fait bugger l'ordinateur au point que mon codage vidéo a échoué. Carrément, donc voilà. Très bien, donc du coup, on va arriver dans le jeu tranquillement. Donc j'ai déjà fait le tuto, donc je vais pas le refaire. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il faut faire en premier. Donc quand on arrive ici, on a trois champs. Je sais pas comment faire pour agrandir la carte. C'est écrit en haut. C'est 9. Alors 9 comme ça. 9 comme ça. Donc voilà, on a le champ 24, le champ 29 et le champ 38. Hein, les champs qui sont affichés en vert. Et dans chacun d'eux, on a une tâche à faire. Donc je vais pas. Excusez-moi, c'est juste pas logique. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les trois tâches. Donc, la première tâche, c'est moissonner. La deuxième tâche, c'est battre la terre. Et la troisième tâche, c'est lancer la culture de quelque chose. Planter des graines. Voilà, grosso modo. Donc, on va commencer par notre petite moissonneuse-batteuse. Donc, on est vraiment au tout début. Donc, on va atteler l'acide, le machin pour ramasser, on va dire la moissonneuse, voilà, on déplie la moissonneuse, voilà, ensuite on lance le truc et on est parti, voilà, c'est tout simple, ça, et c'est parti, on va essayer. Si c'est nécessaire, ça sera donné, dans l'idée, c'est ça. Donc je vais pas faire tout le champ, hein. Je vais engager un peu pour le faire, parce que sinon ça va être long. On va s'ennuyer. Il y a d'autres activités à faire. Je vais juste faire. Voilà, je vais m'arrêter ici. Et on va engager l'ouvrier qui va gentiment continuer de faire ça. Voilà, on va regarder. C'est bien ce qu'il y a à la réserve. Voilà, il relève, etc. Et puis, il le fait bien. Quand il sera complet,
voyez qu'en bas à droite, il y a un petit indicateur qui vous dit combien de pourcentage j'ai rempli. Il m'appellera. Très bien. Nous, on va changer. Avec tabulation, vous pouvez changer de tracteur. Donc, c'est pas celui-là. Voilà, moi, je me suis là. Donc, celui-là, c'est pour battre la terre. Alors, déjà, il faut peut-être que j'atteigne l'outil. Voilà, on va baisser le cultivateur. Tac. Et c'est parti. Là, on bat la terre. Prends une couleau. Alors, on a cultivé, on l'a bas, et comme ça, on va pouvoir raconter par-dessus. Et ce sera parfait. Bon, pareil, je vais engager un ouvrier pour le faire. On va pas s'accommoder de ces tâches. Ma foi, pas très géniales. J'engage un ouvrier pour faire ça aussi, mais évidemment, ça va pouvoir raconter un ouvrier. Combien, je ne sais pas encore. Ensuite, ça c'est le troisième truc. Alors attendez, je vais atteler ça. Tac. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Semence, voilà. Vous pouvez ravitailler vos machines à semer votre palette. Les mêmes palettes apparaissent également à la tête. Donc je peux en faire ce qu'on va remplir. Remplir machine à ensemencer. Voilà. Donc évidemment, ça me coûte du pognon. Voilà. Et donc on va aller au champ numéro 29 pour s'occuper de ça. Donc j'ai joué en tout pour 20 minutes, hein. Donc c'est relativement facile de s'y mettre. Vous allez voir, il faisait plus qu'à proximité des tracteurs, voilà, hein, clairement. Les tracteurs, s'il était mal à faire ce qu'on va, ça serait. Là c'est pareil, en fait, ça fait que le tracteur, je suis pas sûr que mon tracteur il soit bien. Le champ 29 est notre planète nationale. Nous on va aller au champ 24. On va se lancer. On va bien se placer. Si ça lag un petit peu, c'est normal, c'est parce que je suis en train de faire le truc. Alors, donc, on peut mettre le traceur. À quoi ça sert, peu importe. Je sais pas trop à quoi ça sert, peu importe. Alors sélectionner semences, donc là on va aller dans tabulation. Alors il y a moyen de voir combien rapporte chaque truc. Échappe, non c'est pas échappe. Alors attendez, c'est comment? Oups. Alors j'essaie un petit peu. Non, qu'est-ce que tu fais là? Oh, tu te calmes tout de suite. Ah oui, c'est parce que j'ai activé l'animateur de vitesse. C'est qui explique cela. Sauf que c'est pas ça que je. J'ai trouvé le klaxon. Très utile. C'est pas M. Qu'est-ce que ça peut être? Là j'ai oublié la touche. Ah c'est horrible ça. Alors attendez. Donc immédiatement tu reviens ici. Merci. Je vais essayer les F. Ok. C'est pas ça. C'est pas ça, alors qu'est-ce que je ne sais pas. Ah, ou alors il faut aller à un panneau en fait, on peut peut-être pas faire ça comme ça. Il me semblait que si on pouvait faire ça comme ça. J'essaye toutes les touches. Ah, j'ai trouvé. Alors, c'est I. Voilà, c'est I. Et donc, voilà, on voit que ce qui rapporte le plus, c'est le colza. Donc, on va faire du colza. Donc, je remonte dans mon truc. On change la semence. Donc, sélectionner la semence, c'est haut.
et le colza, je sais que c'est ça. Et là, je fais engager ouvrier avec H. On va y aller. Donc il y a un bug avec les ouvriers, c'est que ça ne consomme pas. Là, la semence. J'ai remarqué qu'il y a un problème. Maintenant que ça c'est fait, donc ici on a un tracteur, on peut faire des choses. Je vais regarder, je vais faire un peu de tour. Donc ça c'est le concessionnaire. Donc, je vais aller voir un petit peu ce qu'il y a. Alors là il faut sortir apparemment. Ouais. Donc, alors il y a des promotions. Aucun véhicule disponible en promotion. Moissonneuse batteuse, alors vous voyez qu'il y a des moissonneuses batteuses. Ça c'est la mienne. Et puis ça c'est celle de ouf là, la Big x100 là, qui je sais pas ce qu'elle fait. 1034 chevaux. Donc c'est bon, hein, ma moissonneuse fait le colza, hein, y a pas de problème. D'ailleurs c'est vrai qu'il faut regarder un peu ça parce que sinon on peut se faire avoir. Les arracheuses de betteraves, cultivateurs, épandeurs, bon, vous voyez qu'il y a énormément de choses, je vous fais un peu la présentation du jeu. Il y a quand même énormément de choses, donc ça c'est plutôt sympa. Ensuite, bon, je reprends mon petit tracteur. Recule. Alors, je ne sais pas combien du tout combien de temps va durer l'épisode, parce que je vais regarder comment ça va. En revanche, sans le faire exprès, j'ai augmenté la vitesse. Je suis en x15. Alors, comment j'ai fait? Comment j'ai fait ça? Alors, je vais descendre, et puis je vais chercher. Ah, j'ai trouvé. D'accord, c'est avec... Ok, donc je vais rester en x5 comme c'était. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, d'accord, on peut vendre le véhicule. Alors, non, j'ai pas envie de vendre un véhicule. Donc là-bas, il y a un truc pour faire l'essence, ça roule. Le magasin, là où on est. Okay. Alors, où est-ce que je peux aller pour voir ce qu'il y a? En bas, il y a l'air d'y avoir une espèce de truc avec une boule. Je vais voir ce que c'est que la boule. Par là, ensuite c'est... Hop là. Là on voit. Je suis sur la route, on va éviter de tuer les gens. Donc je regarde, hein, parce que normalement la moissonneuse va m'appeler. Donc je vais me décharger. C'est un chauffard, moi je conduis à gauche. Alors je présume que c'est pour faire de l'haleine. Voilà, c'est de la laine à filature. Okay. Transporter les palettes des prés aux moutons jusqu'à cet endroit pour passer dans la zone en équipe. D'accord. Ok, bah bon à savoir. Donc je découvre, hein, je découvre. Je vais aller voir. Alors c'est quoi la différence entre le truc vert et le truc jaune? Il doit y en avoir un pour vendre et un pour stocker peut-être. Acheter des champs. Alors, c'est une bonne question parce que c'est pas indiqué sur la carte. Je me souviens, mais... Ah d'accord, il y a un tas d'herbes. Ah, c'est pour faire du... C'est du compost en fait. Je pense. Je ne sais pas. C'est les déchets. Je sais pas trop. Peu importe. Alors je sais qu'il y a des... On peut faire des missions. J'ai l'impression que la moissonneuse est arrêtée, non? Oui, la moissonneuse est arrêtée. Oui, ok. Bon, en fait, il m'appelle que dalle, hein. C'est moi qui dois deviner quand est-ce que c'est. Oui, j'ai dalle. Ouais, il y a une écrase de blé, tant pis. Dépêche. Hop, hop. Tu l'as. Voilà, et là, il va larguer dedans. C'est parti. Allez, vide-toi. Lâche tout. Et on va aller le stocker ou le vendre. Alors vu le peu d'argent que j'ai, je vais aller le vendre. Je pense que ça va être ça la bonne solution.
Allez mon coco. Lâche tout ce que t'as. C'est parti. Il a lâché. Allez. Ok, très bien. Alors, du coup, tic-tac. On va aller vendre ça. Il faut savoir qu'il faut faire des missions aussi, hein. C'est important les missions. Parce que ça nous permet de gagner beaucoup d'argent. Alors ici, c'est pour vendre ou c'est pour faire quoi ici? Ici c'est pour vendre. Alors ici ça va être pour stocker. Alors, pour récupérer des cultures stockées, positionner une remorque sous la buse de l'autre côté du silo et activer là. D'accord, alors attendez, moi je vais récupérer parce que là je suis en bout de 49%. Il me semble que j'ai doublé d'avance en stock. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais vendre la totalité. Je pourrais vendre mon colza aussi, hein, ça me rapporterait. Et donc, je vais regarder. Donc j'ai dit que c'était I. Alors, on a dit le blé c'est 605 la tonne et j'en ai pas mal dans mon entrepôt. Vous voyez que j'ai quand même plus de 8000 litres. Donc c'est pas mal, donc on y va. Tac, je suis full. Très bien. Allez, je vais aller vendre ça. Alors, pour vendre, ça doit être au truc, en toute logique, ça doit être au truc orange, je pense. Donc du coup je vais aller à celui qui est là-bas. À droite. Et je vais bouger le champ à gauche. Il a bientôt fini de poissonner le champ, donc ça c'est cool. On va vendre le blé. Oh oh. On va vendre le blé. Le blé. Le blé. Voilà. Donc c'est ça. Farming Simulator. Mais c'est cool. Moi je trouve que c'est très détente. Et j'en ai encore parlé. Je trouve que ce serait très bien comme ça. Je trouve ça détente. Comme ça change d'une partie d'Assassin's Creed dans le jeu où on se prend dedans à fond. Là il y a vraiment la possibilité de s'amuser tout en étant très détendu. C'est la chose. Hop. Allez, je vais vendre ça. On décharge. Regardez la thune qui monte en haut à droite. Tac 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 tac. Et voilà, 10 000 euros sur mon compte en banque, c'est pas beau ça? C'est sublime. Très bien, alors je pense que la moissonneuse a terminé. Maintenant que j'ai 10 000 euros, je vais être un peu plus relax. Donc comme... Alors je sais qu'on peut réinitialiser un véhicule. Alors ça c'est plutôt pas mal. Pour réinitialiser... Ah non, je sais pas comment. Donc... Ah voilà, sélection de véhicule. Et ouais, ici vous avez ça. Prêt pour... En cours de croissance. Prêt pour la récolte, machin. Donc en cours de croissance, il y a quand même ça. Et sélectionner un véhicule. Voilà, c'est celui où je suis en fait. Donc c'est celui-là. Je peux faire réinitialiser ce véhicule. Tac. Hop. Et ça va pas du tout marcher. Quoi. Je reviens. Je me suis rendu compte que le son du jeu était trop fort au niveau des machines, donc j'ai baissé. Je pense que c'est mieux pour vous. Voilà, alors donc, on va finir l'épisode dans 10 minutes à peu près. Et on va regarder un petit peu, parce qu'en fait j'ai oublié de couper... Voilà, il a fini en fait, lui. Voilà, parce qu'en fait j'ai oublié de faire pause au moment où... Il manque un instrument là. Il est où le champ 24 là? Y'a personne au champ 24? Tu vois ce délire? Pourquoi y'a personne au champ 24?
voir ça immédiatement. Ah bah attendez en fait, je suis débile. J'ai la moissonneuse batteuse qui est juste à côté. Alors si, il est là-haut, mais il n'y a personne dedans, on peut aller voir. Voilà, il n'a pas terminé. Hein. Ah, j'ai réinitialisé le tracteur. Ah, 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 c'est son tracteur à lui que j'ai réinitialisé en fait. Ah, le boulet. Alors attendez. Ok, donc j'y retourne. Ça doit être celui-là. Let's go. Ah mince. Voilà, c'est celui-là que j'ai réinitialisé et pas l'autre. Allez, vite, on y retourne. Même si c'est pas celui-là, c'est pas grave, ça marchera avec celui-là. Ah, le boulet ultime. Depuis quand ça va à 42 km/h? On va voir s'il monte. Ça c'est du tracteur. Ah bah il était là en fait. Bon, du coup je vais pouvoir replanter. Il va falloir que je le fasse, que je donne à des ouvriers certaines tâches. Alors attendez. Du coup, je vais peut-être pas rouler sur ce qui a été planté. J'ai pas le bon tracteur. J'ai pas le bon tracteur, sérieux? J'ai pas le bon tracteur pour faire ça. Ok, donc je suis bourré. C'est celui-là le bon. Ok. Effectivement, il est plus gros. C'est reparti. Le poulet de service. Ah, c'est vrai qu'il est pas mal fait. Franchement, je trouve pas ça. Désolé. Le graphisme, bah, ça a fait ce que ça a à faire. Oups là, hop là. Alors tu m'attelles ça. Tu m'attelles sur tout ça. Bon. Allez, c'est parti, il continue. Nickel. Bon, c'est parti. Alors, donc je vais réinitialiser tous les appareils. Alors le blé est en baisse, donc c'est à savoir, il faut pas le vendre. Donc, laissez-moi voir un peu tout ça. Alors la moissonneuse, déjà je vais la réinitialiser. Voilà. Ensuite, outil remorque. Importe. Le tracteur, alors. Donc la question c'est lequel et lequel. Alors il y a celui-là que je vais réinitialiser. Celui-là c'est sûr, c'est, il n'est pas dans le champ 24. Le champ 24 c'est un de ces deux-là en fait. Donc je vais réinitialiser celui-là. Je vais réinitialiser. Ok, donc c'est celui-là qu'il faut que je réinitialise. Voilà. Et outil remorque. Donc ça je laisse. Ça je réinitialise. Ça aussi. Il y a ça. Ça. Donc la masse c'est pour faire contrepoids je présume.
Voilà, bon, j'aurais peut-être pas dû réinitialiser tout, mais bon, c'est pas grave. Hop, voilà, comme ça c'est fait. Lui il continue, c'est parfait. Donc, toi t'as été réinitialisé que quick, mon gars. En fait, toi t'as pas du tout été réinitialisé. Alors attendez, ah, il est où ce tracteur? Ah, il est là. Tac. Voilà. Donc lui, il est en train de gentiment travailler. La moissonneuse, elle a strictement rien à faire. Alors la question, c'est qu'est-ce que je peux faire avec ce qui traîne ici? Donc, déjà, je vais prendre le blé qu'il y a là-dedans. J'ai un champ qui a été moissonné. Donc le champ qui a été moissonné, il faut que je le, batte. Donc, on va... Voilà, il faut déjà que j'ai la masse attelée pour pouvoir atteler le reste. Tu lèves? Nickel. Très bien, donc on va aller sur le champ à faire. C'est celui-là. Très bien, on y va. Il va. Il est parti. Ok, nickel. Ensuite, ça c'est un petit tracteur, donc toi je vais t'appeler la remorque. Ah, j'espère que quand j'ai réinitialisé le truc, ça l'a pas. Ça va pas vider ce qu'il y avait dedans. Alors ça c'est comme dans l'Eurotruck, c'est en inversé. J'ai un petit peu de mal avec ça. C'est rigolo. Regardez comment le tracteur navigue, c'est assez drôle quand même. Alors attendez. Tac 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 tac. Non, non, je veux monter dans la moissonneuse, s'il te plaît. Non, c'est bon, y'a. Allez, largue. C'est parti. Ok, c'est vidé. Donc je vais aller stocker. Comme le blé descend, c'est ce qu'on va faire. Je peux pas demander à un ouvrier de faire ça, donc enfin je crois pas. De toute façon, il faut bien que j'ai une tâche à faire. Ok, très bien. Donc ça c'est fait. Ensuite, je vais aller reposer ça là-bas. Donc je voudrais savoir, il y a un outil. Alors là, je vais regarder, il y a un petit peu d'interrogation. Rejoignez cette cuve pour remplir vos pulvérisateurs et vos épandeurs avec de l'engrais. Pendant le processus de remplissage, le montant de l'achat est simultanément prévu sur votre compte. Ah, de l'engrais. Alors attendez, il faut que j'aille au magasin pour ça. Alors le magasin, j'y suis pas. Donc, je vais voir un truc. D'accord, en cours de croissance. Et pas encore prêt pour la récolte, sachant donc qu'on peut appliquer de l'engrais à ça. C'est pas... Et le champ 38, attendez, le champ 38 c'était le champ qui était quoi? C'est le champ
C'est pas le champ que j'ai battu. Si, c'est le champ que j'ai battu le 38 en fait. Donc ça veut dire qu'il est. Non, le champ que j'ai battu c'est le 24. Qu'est-ce que j'ai fait du 38? Non, c'est ça, le 38 c'est un champ à. C'est un champ à cultiver. Enfin, c'est un champ à. Où il faut planter. Donc. Toi, t'en es où toi? Pas mal de. Ouais, il restera pas mal de trucs à faire. Donc, du coup, je vais. Pour finir l'épisode, je vais prendre le tracteur qui est vide. On va aller à la boutique. On va le laisser là-bas, comme ça, vous savez quoi, j'aurai toujours un tracteur au niveau de la boutique. Quoique, avec, je pourrais peut-être faire. Je vais regarder combien coûte le champ. Je vais juste pour voir combien coûte un champ. D'accord. 51 000. Donc c'est pas bon tout de suite, c'est ce que ça veut dire. Alors il y a des missions à faire aussi. Donc ça je le ferai avec plaisir. Ça jump, ça jump. Je vais tourner un autre épisode dans la foulée. D'abord je vais à la boutique voir combien coûte. Je pense que ça coûte très cher, hein. J'ai que 9 000 donc. C'est pour vendre et c'est pas ce que je veux faire. Alors, donc on a dit, je voulais regarder combien coûtait un épandeur. Voilà, c'est ça, c'est un pulvérisateur ou un épandeur. Ça vaut que 14 000. Ah, c'est pas mal ça. Et pulvérisateur. Ah bah ça coûte seulement 5 500, bah je vais m'en payer. Ah ouais mais regardez, type de culture. Oups, heureusement. Il n'y a pas tout dedans. D'accord. C'est quoi ça en fait? Type de culture, il y a une espèce de petit pot là. Bah en même temps, il n'y a que ça, donc je pense que c'est pour les graines en fait, hein, tout simplement. Sinon je comprends pas. Parce que de toute façon il n'y a que ça donc. D'accord, avec une charrue, je peux préparer les champs à être réensemencés ou créer de nouveaux champs. Ouais. C'est quoi la différence avec un cultivateur? Préparer les champs et être réensemencé. Ah d'accord, avec l'autre, je peux créer des champs. On peut créer des champs dans le jeu? Qu'est-ce qu'il entend par créer des champs? Faudra que j'essaye ça une fois. Il n'y a rien en promo. Alors les tracteurs, ça coûte. Le petit coûte 30, coûte 37 000. Puis alors il y a les très gros là. Oula! Ça rigole pas là. Il y a du tracteur de compétition là. Ouïouïouï, ça rigole pas. Ok. Bah je pense que je vais acheter un. Franchement je pense que je vais acheter un pulvérisateur. Ah non! Ça c'est un réservoir supplémentaire en fait. Et ça c'est le pulvérisateur. Qui coûte 29 000 en fait. D'accord. Donc en fait moi c'est plutôt de ça dont j'aurais besoin. C'est plutôt de celui qui a 14 000 ici. Ok, d'accord. Ça marche. Ok, très bien. Eh bien écoutez, je vais arrêter l'épisode ici. Donc ce que je vais faire d'ici le prochain épisode, je vais aller gentiment au panneau de mission et puis je vous reprendrai à ce moment-là. Voilà, je pense que c'est ça que je vais faire. Et il faudra que l'ouvrier du champ 24 aille ensemencer le champ 38. Voilà, ça va être ça l'idée pour le prochain épisode. Et une mission. Voilà. Et bah écoutez, merci à tous de m'avoir suivi sur ce premier épisode. J'espère que ça va vous plaire. Je vais en tourner quelques autres dans la foulée. Et puis si ça marche pas au bout de ces quelques épisodes, j'arrêterai. Et puis voilà. Merci à tous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.